Alors, comment j'ai sélectionné les tableaux qui font partie du peuple de Manet, c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, j'ai consulté beaucoup de documentation puisque la plupart des tableaux sont aux États-Unis. J'en parle dans la première partie, c'est-à-dire les collectionneurs américains très vite ont acheté les tableaux, très vite ont compris que c'était un grand peintre et donc dès de son vivant, les tableaux partaient et ils ne sont pas revenus. Mais il y a quand même quelques tableaux qu'on peut voir à Paris, à Dijon, et puis d'autres tableaux que j'ai consultés dans des livres ou sur Internet. Et chaque tableau avait quelque chose à me dire, et je me suis rendu compte que sur certains tableaux très importants, j'arrivais pas à trouver la clé. Je savais qu'elle était là. J'arrivais pas à la trouver sur d'autres tableaux importants mais peu connus. Je pense à Monsieur Brun, un tableau qui est à Tokyo que j'avais vu il y a 10 ans quand j'avais été à Tokyo. Là, il y a des choses que j'arrivais à sortir alors qu'au début, c'est un tableau qui me semblait pas aussi important que d'autres. Je pense par exemple à Berthe Morisot au bouquet de Violette. C'est un tableau très important. Je voulais intégrer dans ce petit bouquet de tableaux que j'ai creusé et j'ai pas réussi à dire quelque chose, à trouver la clé ou à percer ou à creuser le mystère de ce tableau pourtant très important. Donc, du coup, il est pas là. En tout, il y a à peu près 400 tableaux, plus des pastels. Donc, j'aurais pu faire une intégrale. C'était un projet passionnant qui aurait pu durer 10 ans. Mais je me heurtais sur un certain tableau, sur une sorte de trou noir. En fait, c'était pas pour moi. Enfin, mon corps n'était pas capable d'écrire ou de trouver la vérité de ce tableau. Donc, bah, voilà, ils ont pas été. Enfin, j'ai fait des brouillons, mais c'était pas concluant. Toujours est-il qu'il y a quand même Olympia et le Déjeuner sur l'herbe, qui sont les deux tableaux les plus importants de Manet et qui sont en plus en France au musée d'Orsay. J'imagine, j'invente, je suis romancier, donc ma façon d'être, c'est la fiction. Donc c'est inventer des choses qui ne sont pas là ou imaginer des choses. Des choses qui n'existent pas mais qui pourraient exister. Et y compris d'ailleurs avec des inexactitudes, il y en a sans doute quelques-unes, même si on a essayé en préparant le livre de limiter au maximum les erreurs. Mais voilà, il y a une plus grande liberté et surtout une interprétation. Complètement hérétique ou ésotérique sur le sens des tableaux, qui est peut-être d'ailleurs pas le sens que Manet a voulu leur donner, mais le sens que moi je voulais leur donner. C'est-à-dire que quelque part, je pense que Manet est un dieu et que les personnages qu'il a créés sont son peuple. Et c'est ce que j'ai essayé de démontrer, tout d'où ce découpage en deux parties. D'abord, des éléments sur Manet, pas une biographie, mais des moments précis où il y a un basculement, où il a une expérience particulière qui lui fait changer de voie. C'est-à-dire, c'est le siège de Paris, c'est l'expérience de l'Espagne, c'est le combat naval en baie de Cherbourg. C'est ces moments précis que je voulais développer.